touristes, nous signataires, d'abord, de bonnes conventions sur la protection de la biodiversité. C'est pas juste une question de responsabilité légale sur une convention, mais c'est une responsabilité citoyenne. Nous visons protéger la biodiversité dans Maurice, dans Rodrigue, à Galéga, Saint-Brandon et Sagosse. La République Maurice, il y a extra beaucoup de bonnes espèces endémiques. Ce qui, ben, expert appelle dans sa région de la République de Maurice, toutes les petites îles, Outer Islands aussi y compris, nous appelons ça un biodiversity hotspot. Donc, pour préserver ben, espèces endémiques, qui veut dire plantes et aussi ben, animaux, oiseaux, ben, reptiles, tout ça là, nous peut travailler avec UNDP, qui malgré conjoncture difficile due à la pandémie, mobilise 4 millions de dollars pour travailler avec Maurice et ben les autres stakeholders, pas seulement le gouvernement, pour qu'ils nous protègent, nous biodiversité dans la région contre ben espèces envahissantes, ce qu'ils nous appellent ben invasive alien species. Aujourd'hui, ce matin, nous pouvons faire une consultation avec ben stakeholders au nombre de 40 participants, mais du à la pandémie, nous pouvons faire ça par Zoom et en collaboration avec le bureau de UNDP qui m'ont salué et qui m'ont remercié pour les contributions d'expertise et financière aussi. Nous avons nos cadres légaux, mais nos cadres légaux, nous donnons un commitment aujourd'hui. Si bizarrement on dit, nous bizarrement on dit. Parce que Maurice, quand nous avons une petite île, nous sommes extrêmement vulnérables. Du monde, parfois par ignorance, il n'est pas réalisé qu'il peut faire. Il prend avec lui, il amène un reptile, un petit lézard, il amène ça comme un pet. Mais il n'est pas réalisé qu'il y a des conséquences. Il a dit, il trouve un petit iguane, il peut amener ça depuis un autre pays, disons, par exemple, Madagascar. Mais l'état, il vient là, où réaliser, il fait un ravage parmi ben, reptiles existants parmi ben, plantes existantes dans Maurice et nous finissons trouver dans les passés. Et pas juste reptiles, iguanes, ça, petits poissons parfois. On peut amener autour l'isolie dans l'aquarium, mais au fait, il n'y a pas de zoli, il y a une espèce alien species qui vous fait ravage dans nos pays. Ça, contrôle-là, nous pouvons mettre l'île aux bonnes frontières comme le pôle, l'aéroport, vous mettre un scanner. Ça, c'est au niveau de l'équipement, tout ça là, vous mettre en place parce qu'il y a une conséquence désastreuse pour nos biodiversités si nous ne pas contrôler.